Je m'appelle Marie-Éphigénie Ndiaye, responsable des opérations Sénégal de El Solaire, et je représente Mme Kelin Wachukwu-Lavelle, présidente fondatrice de El Solaire et lauréate gagnante de Poésam 2020. El Solaire est une structure dirigée par des femmes et majoritairement composée de femmes qui œuvrent dans l'autonomisation économique de la femme à travers les énergies renouvelables. Elle vise à donner à la femme des opportunités économiques à travers une formation technique aux activités solaires, mais aussi par la formation commerciale et numérique. Au-delà de sa vision d'aider la femme à être autonome financièrement, El Solaire vise à répondre à la précarité énergétique que souffrent les populations appelées Last Mile, c'est-à-dire les populations habitant dans les zones les plus reculées. Donc aujourd'hui, c'est grâce à cela que El Solaire, avec toutes ses femmes, disent merci à Orange, au groupe Sonatel Orange, pour ce prix Poésam 2020. Avec ce prix et l'accompagnement de la Sonatel, El Solaire pourra étendre ses activités dans plusieurs régions du Sénégal, mais aussi offrir cette opportunité à plus de 350 femmes par la formation, par le coaching et par l'accompagnement. Elle pourra aussi apporter la lumière à plus de 330 000 ménages à travers le Sénégal.